Salut Merrick. Ça va? On va boire un coup. Ouais, quoi? Eh meuf, viens. T'es passé prendre un dernier verre avant de rentrer? C'est des conneries. Un dernier? Je vais commencer. Oh, dommage. On va faire mieux. Ah bon? Je viens voir Rogue. Elle est dans le grand box là-bas. Elle joue différemment, l'actrice, du coup. Ouais, bah tant pis, elle fera avec. Arrête, hein, je déconne pas. Elle va te foutre son pied au cul. Ah, tu crois ça? Bah, regarde, tu vas être surprise. Et je crois qu'on entend un peu l'acteur qui fait Johnny. Enfin, le doubleur officiel de Kenny Reeves, d'ailleurs. Je me souviens plus de son nom. On va faire simple, mon héros. Te mets pas en travers de mon chemin. Ta petite OP, elle existe seulement parce que je la laisse exister. Mais je peux changer d'avis très rapidement. Attends une petite seconde. Et... Fais une pause. C'est moi. Et elle sait que on est Johnny. Je te rappelle, Wakako. Enfin, qu'il y a Johnny en nous et que de temps en temps... Qu'est-ce que tu veux, on lui a rangé un rancard avec Johnny. Voilà, jouer Johnny, hein. T'en tires une tête. Quoi, t'es pas contente de me voir? Franchement, j'en sais rien. C'est vrai que ça fait fin de soirée, l'Afterlife. On a passé du bon temps au ciné, non? On n'est plus au ciné, maintenant. En plus, je crois savoir ce que tu fais là. Ah. Tu veux quelque chose? Et c'est jamais bon signe. Il n'est pas content, là. Est-ce qu'on commence à Place au Soleil? Tu t'es fait une jolie Place au Soleil, Rob. Bon, là, on entend distinctement les deux acteurs. La reine de Night City. Ça a pas dû être facile d'en arriver là. Il y en a tellement qui ont échoué. Mais c'est un peu fatigant, par contre. Je repense au passé. Ça te manque pas, le bon vieux temps, Rogue? Le passé est très bien là où il est. Et moi aussi. Je vois ça, oui. C'est dommage que personne d'autre de l'Atlantis ait eu ta chance. Pourquoi la personne là, avec elle? D'habitude, il y a toujours du monde qui l'entoure. Là, non. Attends! On peut même pas boire un verre, du coup. J'ai soif. Il y a un Johnny, un cocktail qui s'appelle le Johnny Silverhand. Normalement, ça devrait être gratuit pour moi. On ferme. C'est quoi ce bordel? Allez. On n'a pas fini, nous? Si, t'as fini. Moi, j'ai pas fini. Ça va? Il y a un problème? Non, t'as fini ta journée, c'est tout. Rentre chez toi. Et depuis quand c'est elle la boss du truc? Bon. C'est une VIP un peu, moi. Mais c'est pas la patronne de... On a le bar, rien que pour nous. Sympa, le traitement VIP. Vas-y, accouche. C'est quoi, tous ces sous-entendus? C'est ma bouteille, là, derrière le bar? Ouais, elle est restée là à attendre. Non, c'est pas une bouteille qui a 50 ans. C'est pas possible. J'ai une ou deux idées de ce que je pourrais faire avec. Ouais, des idées sympas ou... Sois franche avec moi, t'as vendu ton âme au corpo, pas vrai? On va la faire plus... Tu me fais perdre mon temps. J'ai construit une petite vie confortable. Je me demande juste ce que ça t'a coûté. On paye tous les conséquences de nos choix. J'échappe pas à la règle. C'est ce que tu te dis quand t'encaisses l'échec de corpo? C'est ce que je me dis quand je vais me recueillir sur la tombe des anciens de l'Atlantis. L'Atlantis? C'est ce que je me dis quand je te regarde en ce moment. Ok. Bon, allez. Le passé, c'est le passé. T'as raison, mais c'est pas pour ça que t'es là. Tu veux m'embarquer dans une nouvelle embrouille. Et tout ce cinéma, c'est qu'un préambule. Et tu parles du drive-in? V est en train de mourir, elle a besoin de mon aide. Oui, si on dit faut que j'entre dans la tour Arasaka, ça fait vraiment mauvais remake de ma mort d'il y a 50 ans. Ce corps, j'essaye de... Ah, je peux... Ah, putain! V est mourante, et c'est moi qui la ronge comme un cancer. Mais il y a moyen d'arrêter le processus. Il faut non, juste que... Non, Johnny. Commence pas. Me raconte pas que tu fais ça pour quelqu'un d'autre. C'est toujours que pour ta gueule. Pour ton bien à toi. T'en es bien sûr? Ouais. C'est pareil que pour Alt. Alt Cunningham. C'était même pas une histoire de culpabilité. T'avais juste c'est pas une mal sensation d'inconfort personnel. La rencontre.
d'inconfort personnel. Ben, peut-être que j'ai changé. Je commence à manquer de temps, Rogue. Quand le putain de compte à rebours arrivera à zéro, Johnny disparaîtra. Et V avec. Il faut absolument que je sorte de sa tête avant que ça arrive. Ah, donc c'est un peu son intérêt personnel, quand même. On a réussi à entrer en contact avec Alt. Elle va nous aider. Mais... on peut faire ça que depuis une forteresse de données. Mikoshi. Ah, c'est le nom de l'endroit, Mikoshi, d'accord. Et le seul point d'accès qu'on puisse espérer atteindre est bien caché sous la tour Arasaka. Arasaka. Encore. Bah oui, je sais, oui. J'aurais dû m'en douter. Écoute... C'est pas toi qui décides. Il y a que les crétins qui refont la même chose encore et encore, en espérant un résultat différent. Tu cites Einstein, maintenant ? Je paraphrase un peu, mais... J'espère que t'as un plan, au moins. Ça veut dire oui. On s'en bat les couilles des plans, ça n'a jamais servi à rien. Il nous faut des hommes. Tu sais de quel genre. J'avais envie de faire ce choix, mais... aussi. Le top du top. Et de la chance. Un putain de coup de bol, si possible. Est-ce que je pense pas que ça aurait changé le déroulement, mais... Tu vas quand même pas rater ça. Elle a l'air triste. Alors quoi? Je sors mon tsunami du placard et je rejoins ta petite croisade contre Arasaka. C'est ça? Bingo. Son tsunami? Quel tsunami? C'est des armes. Dans ça? Je sais pas. Maintenant? Et pourquoi j'accepterais de t'aider? Fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Ah, vraiment? Bien sûr, tu peux jouer les reines du bal de Night City, mais c'est pas la vraie Rogue. La vraie Rogue, tu l'as enterrée en grimpant au sommet. Cherche en toi. Je suis sûr que tu peux la retrouver. Et merde, je savais que ça finirait par arriver. C'est marrant parce qu'on voit qu'elle a un certain âge tout en restant jeune. Par je ne sais quel miracle. T'allais te pointer ici pour tout foutre en l'air. Ah. C'est quoi? Y'a des trucs comme ça qui changeront jamais. Oula. Et nous? On va dire qu'on a rien vu. Qu'on a changé? J'en sais rien. Bon, bah, je crois qu'on la voit jeune un moment. Savoir, dans ce cas. Allez, on boit. Ah, du coup, oui, on a... On avait pêché au Rogue. Tu veux bien me filer un coup de main? Même si elle nous avait un peu téjeux quand même. Putain, Johnny, ferme-la. S'il te plaît. Allez, tais-toi. Pourquoi c'est son œil droit, il a pas les deux lumières comme l'œil gauche? Je sais que c'est une question de merde, mais... Ça m'intrigue. Que s'est-il passé? Pourquoi on est en PLS? Allô? T'as drogué mon verre. Quoi? Putain de merde! Ça marche à chaque fois. À chaque fois. C'est la première fois que je vois quelqu'un dormir plus de 20 heures sans être ivre mort. Qui dit que j'étais pas ivre mort? Je me souviens de cette tête. Tu dois être Crispin Wayland. T'es le portrait craché de ton père. Et fier de l'être. Mais qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi t'es là? La patronne, elle va tout expliquer. Rogue? Je connais pas d'autre patronne. Allez, on y va. La patronne t'attend. Où c'est qu'on... Elle nous a embrassés. Elle nous a empoisonnés. Je sais pas. En mode Poison Ivy. Explorons. Ah, For Whom the Bell Tolls. Ça, c'est une chanson que je connais, de Metallica. Plein de refs à plein de chansons cool quand même dans le jeu. Alors tout le monde a une cache d'armes avec des mousses de youtubeurs dans le futur. Je ne sais pas pourquoi. Mais tout le monde, hein, vous allez dans n'importe quel appartement. Oui. Il n'y a même pas de glace pour se voir ici.
Non, on ne prendra pas ton chemin. Ça a l'air très très bien par ici. Ah mais c'est l'afterlife encore. Ah, il y avait ça à l'afterlife. Je savais pas. Bon, bref, continuons. Je te suis, Wayland. Oh putain, on est derrière le bar. C'est trop bien. Tournez, général. Il n'y a plus personne. Je vois que les présentations sont faites. Parfait. Il y a que lui. Og, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? C'est notre pilote. Il va nous emmener à Corpo Plaza. On va être sympa avec elle. Rog, t'es la meilleure. Évidemment. Sinon, tu serais pas venu me supplier. Le matos est juste là. Sers-toi. Son flingue a l'air moche, hein. Bah, c'est pas de refait. Oublie pas de t'équiper en matos, Johnny. C'est pas lui que je voulais prendre. Et on a plus le... Enfin, on peut pas le faire. Dans les poignets, normalement. Et du coup, ça nous empêche d'utiliser les grenades, et c'est un peu chiant. Johnny, t'auras besoin de matos. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, ces machins? Un jetpack? Des rétropropulseurs, des antigraves, quoi. Attache-les à tes jambes, et tu pourras sauter d'à peu près n'importe quelle hauteur. Cool. Putain, Johnny, je suis pas ta babysitter. Ben, si, habille-moi, je sais pas, fais des trucs. Alors, d'accord. Ouais, c'est pas super beau gosse, mais... moyen ou élevé? Non, on va rester avec les lunettes de Johnny. Ah oui, là, on a juste pas de haut du tout. D'accord, ok. On est nibs à l'air, normal. Rétropropulseur, du coup. Dégâts de chute, consommation... Ah, ok. Armure prédateur en aramide. Écoutez, on va jouer le jeu. On équipe tout ce beau monde. Par contre, pour les armes, j'aime bien avoir un flingue normal sur 1. Le crash, ça reste le mieux. Hein. Vous êtes gentil, mais... je vais vous passer ça. Ah, on peut pas ? Action impossible ! C'est quoi cette arnaque ? Je vous le passe pas, du coup, mais... j'espère dans le feu de l'action, on pourra, hein, parce que... Ça a l'air d'être bien de la merde. Merde. C'est bon, c'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé comment m'habiller, maman. Tu vas m'expliquer ce que c'est, ton plan? Ouais. Tout est dans cet éclat. T'es pas censé le prendre sur le comptoir. Le point d'accès à Mikoshi dans la tour Arasaka. On doit atteindre l'étage du labo. Ah, ça va faire une vidéo longue, j'imagine. Assez longtemps pour faire ce qu'on a à faire et ressortir vivant. La tour Arasaka est une forteresse. L'immeuble le plus sécurisé de Night City. Hors de question d'entrer par la grande porte. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois en plus. On va devoir fabriquer une fenêtre nous-mêmes. Dans les faits, on s'approche à bord d'un bombardier tactique Militech Strix. On commence par bombarder les défenses aériennes de l'immeuble à haute altitude. Après, on ouvre une brèche dans un mur au 76e étage, on saute de la navie et on se pose en douceur grâce à nos antigraves. T'as bien vu. On atterrira en plein milieu d'une forêt tropicale. Ah bon? Contrairement à ce qu'on croit, Arasaka sait avoir du panache. Des fois, on se ferait un chemin dans la jungle jusqu'à un puits d'aération situé. Mais il y a une jungle dans leur immeuble? Le puits va jusqu'en bas de l'immeuble. J'imagine qu'on verra. On se sert à nouveau de nos antigraves pour atteindre rapidement le rez-de-chaussée. On prend les agents de sécurité par surprise, ils seront désorganisés. La résistance devrait être minimale. On prend d'assaut l'étage du labo. On atteint le point d'accès, et le reste dépendra de toi. Tu peux applaudir, maintenant. Comme vous ouais. Qu'une seule patronne, qu'une seule reine. Bah merde, t'avais pas dit que t'avais un bombardier? On a tous nos petits secrets. Faut croire qu'une belle Mizutani rouge, ça suffit plus de nos jours. Comment t'as eu ça? Je suis la meilleure fixeur de la ville, Andouille.
Bon, concentre-toi maintenant. Ça va pas marcher, on va se faire laminer. Non, on va pas dire ça. Alors tu veux dire qu'on va bombarder ces fils de pute? Sérieux? Ça fait trop longtemps que j'attends ça. Ouais, bah commence pas déjà à te pignoler, ok? Oh, on peut jamais si se marrer. Si on veut s'en sortir, il y a un paquet d'autres trucs à faire. C'est là que ça se complique. On va faire dévier un satellite de télécom du Rojin 0401 de son orbite. Un putain de satellite. On va rentrer dans l'histoire, c'est clair. Je peux avoir une clope. Ça bloquera les communications de Night City, de la cale nord et de la cale sud pendant 3 ou 4 heures. Californie, donc. Aucune coordination, aucun soutien. Le chaos total. Tu t'es carrément acheté une navette spatiale. Waouh, t'es en train de me dire qu'en plus du bombardier, t'as une putain de navette spatiale armée? J'ai une certaine connaissance chez Orbital Air. Un mystérieux bienfaiteur? Un informateur haut placé. Je le paierai assez pour qu'il nous laisse accéder au Jordan. Le reste dépendra de notre vieil ami, Netrunner. Tu veux dire Alt? C'est la seule personne que je connaisse qui soit capable de faire tomber un satellite Arasaka du ciel. Ouais. Un contact chez Orbital Air, rien que ça. Fais tous les choix de dialogue. C'est vraiment la reine des fixeurs. J'espère que t'apprécies. J'ai fait appel au meilleur pour toi. Je ne suis pas là. T'as préparé tout ça pendant que je dormais. Merde, on est bloqué comme ça maintenant. En fait, j'ai préparé tout ça pendant que t'étais mort. Avoir un pied dans le réseau de com quand ça recommencera à chauffer entre les corps pourrait rapporter très gros. Après tout, y a rien de plus rentable que la guerre. Elle se retourne pas complètement, elle nous regarde en coin, c'est marrant. Je dois parler à Alt, de toute façon. On l'a joué RP Johnny, hein. Johnny répondrait comme ça. Te plante pas, Johnny. C'est le seul truc que je peux pas faire à ta place. Bon, elle aurait peut-être dit je les plans, mode enfant. Bon, alors je résume. On vole jusqu'à la tour Arasaka en furtif et on leur offre un beau bouquet de missiles. Exactement. Après ça, on saute, on trouve l'axe vertical du bâtiment et on commence à descendre. Jusqu'au point d'accès à Mikoshi. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Je vois qu'un seul problème. Tu pourras plus faire demi-tour après ça. Genre, on se préoccupe d'elle. Tu seras grillé partout. Carbonisé, tu veux dire? Tout Arasaka, t'auras dans le collimateur. Ouais. Et sûrement Orbital Air aussi. Mais si tu veux mon avis, ils auront eu que ce qu'ils méritent. Alors? T'en dis quoi? Ce plan est bourré de failles, ça me plaît. Meilleure réponse. Il y a plus de trous dans ce plan que dans une maison de poupée de Kabuki. Mais on s'en fout, ça va marcher. Voilà, comme ça on est raccord quand même avec le choix qu'on a pas fait. Il y a plus débile que ça. Rogue. Qu'est-ce qu'il y a? Juste, merci. Garde ça pour plus tard. Il reste le problème avec Alt. Tu sais comment te déplacer dans le cyberespace? Bah, V a de la pratique à son compteur. Je suis sûr que je vais y arriver. Ah mais c'est plus vieux aux commandes là. Va à l'arrière. Nyx va te montrer comment ça marche. Ah, on se souvient Nyx. Et toi, Wayland, va démarrer le Strix. Montre-toi bientôt. C'est son bombardier. Ça va être long. J'ai le temps de faire une petite sieste. Ils font le choix de faire disparaître les gens graduellement avec un petit fondu quand ils nous traversent. Même si les gens sont physiqués. C'était ici. Bonjour. Salut. Donc c'est toi qui va plonger, c'est ça ? On a déjà bossé pour lui. C'est le plan, ouais. Mais en tant que V. Ça marche. Enfile d'abord une combi et après va t'asseoir là-bas. Ah mais j'en ai marre de changer de stuff tout le temps, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut enfin changer de stuff ? Non, ils veulent qu'on joue avec ça. Hein. J'ai fini pour aujourd'hui, donc tu referas surface tout seul. Et essaie de pas escanter mon matos. Ah, il sait qu'on est Johnny. Il a dit tout seul. Et non pas toute seule. Enfin, dans le sens, oui, toi, il les voit dans ta tête, quoi. Putain, nos bottes sont bizarres, hein, du coup. Bon, j'imagine que ça change pas notre stuff, c'est juste pour... Allez, devenons un Netrunner.
Bonjour. On va faire quoi? Halt. On va passer le mur noir? Est-ce que t'es là? Je te l'ai dit. Halt Cunningham n'existe plus. Je n'y réponds pas à ça. Non, j'y crois pas. Je suis sûr qu'il reste des traces d'elle. La preuve, t'as son apparence. N'empêche, au début du jeu, on l'appelait Neo, et maintenant je l'appelle Johnny. Est-ce que tu le veux? C'est un mécanisme de défense. Ta mémoire explicite crée simplement une image de remplacement. Donc tu as bien incarné le rôle. C'est bizarre. C'est comme si... Faisais un cauchemar. Tu lis dans mes pensées? C'est une hyper-simplification. Tu refuses d'admettre ce que tu es. Un construct. Un ensemble de données. Je... te connais. Tu me connais? Comme des lignes de code. Alors pourquoi on s'emmerde à parler, si tu sais à quoi je pense? Tout comme l'action précède la réaction, Johnny Silverhand parle avant de réfléchir. C'est censé être une blague? Juste un résidu de souvenir du sens de l'humour d'Alt. Ah, donc il reste bien quelque chose d'elle. C'est ce qu'on disait. Alors, qu'est-ce que tu connais d'autre? La complexité de tes émotions. Ah, maintenant on est complexe. Le temps presse. Netwatch risque de détecter notre trafic local net. Tu t'y connais bien, niveau satellite? J'en ai un. Chirogine 0401. Je peux m'en occuper. Ça va plus vite comme ça, oui. Putain de merde, mais tu recommences? Tu lis dans mes... C'est une simplification. Il te permettra d'entrer dans la tour Arasaka. Tu pourrais ralentir un peu, là? Ah non, c'est très bien. Tu vas t'introduire dans la tour Arasaka et localiser le port vers Mikoshi. Oui. Voici le programme qui établira la connexion. Je vais te le confier sur un éclat. Ouais! L'ouverture d'une porte dérobée me permettra de contourner les protocoles de sécurité de la forteresse de données. Et après? Tu seras séparé de V. Oh non, et non, 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 non! Tu cesseras alors d'exister. Comme si elle avait peur, quoi. Je veux dire. Ça pourrait mal tourner. La peur n'est pas le bon mot. Cessera d'exister, comme les constructs à l'intérieur, c'est ça? Non. Les constructs de données ne seront pas détruits. Elles seront intégrées à un plus grand ensemble. Non, réessaye, j'ai rien compris. Parce que tu n'es pas capable de comprendre. D'accord, fais comme tu veux. Est-ce que ce sera tout? Nous faisons traîner. Attends, encore une petite chose. Je n'ai plus de temps à te consacrer. Mais non! Alors, tous les cas, on l'envoie chier, hein. Tu sais quoi? Je crois que t'avais raison. Bah, elle nous a montré qu'il restait quelque chose, mais... Oh putain, non. Parfait. Vas-y, tire-toi. Râle cul. Et donc? Que faisons-nous? Ah! Ok. Il y a marqué V et pas Johnny. Nous sommes toujours Johnny pourtant. Je sais pas si tu m'entends, mais... Merci de m'avoir fait confiance. Je te jure qu'on va y arriver. Et pour une fois, le miroir ne bug pas. Ah, par contre, ça fait un truc chelou. Bref. Je vous renvoie à ma première vidéo et ce qui se passe avec le miroir. C'est Asuka et Finch, première vidéo de la playlist. Ouais, tout va bien. T'as aucune raison de t'inquiéter. Maintenant, arrête-toi. Coupe le moteur et regarde bien les étoiles. C'est tout. Tu le regretteras pas. Je dois te laisser. Est-ce qu'on peut la backstab? Je t'aime. Je t'aime? Qui? Rogue? Tu vas faire le plus gros coup de ta vie, saper comme ça. Vraiment. Pourquoi?
Ça me fait un gros cul. Ah, c'est pas ça qui va te protéger des balles, mais tu fais comme tu veux. Mais je veux bien, moi, mais... Ah ! Merde, on a ça d'équipé, ça fait chier. Ah merde, on est sapé comme ça. Et en plus, pour l'enlever, c'est clic molette, mais mon clic molette ne marche pas. On va mettre celle-là, tant qu'à faire. Voilà, c'est un peu plus classe. Ouais, et du coup, on est pieds nus, mais on a quand même des bottes. Ok. On peut toujours pas équiper d'autres trucs. Non. Prêt ? Rogue, c'était qui ? Mon fils. Ah ! Ça, je l'avais pas vu venir. Quoi, tu veux dire que... Que t'as... Une vie privée ? Ouais. Et j'ai envie qu'elle le reste. Je t'ai demandé si tout était prêt. Ah, déjà 51 minutes. Ouais, tout est prêt. On est prêt. Bien. Allez, bien. Avant que ce taré décide de décoller sans nous. Ah, je voulais checker un truc. Ouais, on a toujours accès, si on le veut, aux anciens choix. Je l'aime bien. Je vous ferai peut-être les différentes fins de ce scénario. Sachant que j'imagine qu'il n'y a pas que ces trois choix là à la Mass Effect, mais que le reste de notre histoire influe un peu, au moins. Je crois pas des masses, mais... Il n'y a pas que trois fins, normalement. Direction le dernier étage. Et Wayland, tu lui as dit quoi sur ce boulot exactement ? C'est chiant, la je voulais faire... La seule chose qui l'intéressait. C'est plusieurs quêtes qui s'enchaînent comme ça. Puisqu'on en parle, ça représente combien pour un boulot comme ça ? C'est entre lui et moi. Ah, c'est si important que ça. Secret professionnel. J'ai des principes. C'est comme ça. Notre bio plus bug un peu ou... Plutôt classe. Allez. Ça fait bizarre d'être pieds nus, mais... Pas cette fois, mon gosse. On est mal en point, là. Hein. Wayland, amène-nous en haut. Ok, bien sûr. Ah, parce que du coup, je voulais faire OP machin truc nocturne. Mais en fait, la quête, c'était juste la discussion avec Anako. Et c'est bizarre de pas faire le reste de la quête, quoi. Même ouais. Si elle change de nom. Je te trouve bien silencieuse. C'est pas la première fois d'ailleurs que je fais comme ça. T'es sûr que ça va ? J'ai du mal à croire qu'on soit en train de faire ça. Ah oui, comme au bon vieux temps, hein. Comme au bon vieux temps. Cool de voir dans les titis au-dessus. Bon, par contre, on voit des trucs pas très détaillés aussi, mais... Préfère à Night City. Vas-y, dis-moi. Regarde, en bas. Tu vois ça? Un jour, t'es dans le caniveau, et le lendemain, la ville entière est à tes pieds. La ville entière, putain! D'ici, personne peut nous donner d'ordre. Pas même ces fils de pute. Je sais pas comment tout ça va finir, mais ce qui est sûr, c'est que la matinée va être bruyante. Il est temps de réveiller à nouveau toute cette putain de ville. Ouais. Putain, c'est trop beau. Et ça va bientôt l'être encore plus. Tu me dis quoi ? Et je choisirai laquelle j'utilise comme miniature. Tu rêves, Squam. Regardez bien le ciel, les gars. Pourquoi on aurait fumé ? Julien Noir. Votre scène dans 3, 2, 1. Waouh. C'était le curotine. Tu peux faire un vœu. Hé hey, ils nous ont repérés. Non, mais sérieux. On fait quoi alors? On s'en tient au plan. Stick to the plan. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ah, une petite navette.
J'aurais dû demander si c'était un bon plutôt que combien il prend. Tu peux rien faire? Bon bah fais une fenêtre. La Rogue. On est vivant après ça. Intrus détecté. Non, sérieux. Lancement du protocole Hayabusa. J'aime pas trop ça. Le bâtiment est verrouillé. Ah oh, hey. Putain. Tu respires encore? Le personnel de sécurité doit se présenter aux zones désignées. Boeland a pas sauté. Il s'est écrasé près de la cascade. Mais c'est sacrifié. J'ai essayé de contacter. Après ça, faudra trouver quelqu'un avec un accès à l'ascenseur pour descendre. Boeland, tu me reçois? T'es en un seul morceau? Ouais, je crois. Et on dirait que j'ai éveillé la curiosité de la tribu locale. On va te sortir de là. Bouge pas. Ça risque pas. Ah, on va chercher. Il doit être mal en point. Ça marche. On lui a dit qu'on a changé, qu'on se préoccupait d'autre chose que de nous. Faisons-le. Puis on aura besoin de lui. Même d'un point de vue pragmatique. Puis il avait l'air marrant. Il se marrait en fonçant vers la tour. Bon. Ça fait un petit peu 11 septembre, quelque part, oui.